Cet exercice est à réserver aux élèves confirmés et capables d'assurer leur sécurité active. Le passage d'un engin à l'autre nécessite un court appui unipodal sur chacun des engins avec une position du centre de gravité flottante combinée à une poussée du pied d'appui arrière qui induit un déséquilibre important. L'élève doit réduire cette phase d'instabilité au maximum en assurant son équilibre deux pieds sur l'engin de départ juste avant le transfert en construisant une trajectoire parabolique entre les deux engins. Appuyer, enfoncer la bobine ou la boule de départ dans le sol et non pas la repousser vers l'arrière. S'élever pour arriver sur le second engin du haut vers le bas et non pas avec une vitesse horizontale. Il faut prendre appui sur le pied arrière vers le haut et non pas vers l'avant pour limiter le recul de l'engin de départ et s'établir à l'aplomb de celui d'arrivée.